mines. Revenez. Le sang de nos bons bourgeois remonte sur la table. Mesdames, vous avez les droits, ça c'est incontestable. Mettons à l'application la faridon d'aide, la faridon peine requise, la mort. Peine prononcée, la mort. Les féministes, des femmes qui osent se battre pour obtenir les mêmes droits que les hommes. 2 jours de marche, 60 kilomètres à pied. Les Anglais connaissent déjà l'arrestation de Léonie Van Hout et vous voudriez que le dossier 73 leur parvienne avant que tout ne soit compromis. Mais tout est compromis lorsqu'on renonce. Je ne sais pas renoncer. Le dossier est prêt. Évidemment. Voilà. Je n'avais aucune autorité maternelle. Aucune autorité maternelle. Je ne pouvais être que la fille de... La fille de... Ou la femme de... Ah, vie. Permettez-moi de me présenter. Je suis Monsieur Joseph. Je comprends tout de suite que c'est un guet-apens. D'abord, il y a le projecteur qui fouille toute la zone. Bonjour, Albert. Oh, bonjour, Loni. Enfin, je veux dire Charlotte. Au Lyon belge, 8 heures, journal à la main. Il s'agit d'Alice. Tenez. On dirait une lettre anonyme. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'ai dit que ça n'est pas une lettre anonyme. Hein. Elle est signée. Alexandre, 17 rue des Tanneurs, il y avait Albert. Et ça, c'est vrai, ça. Qu'est-ce qui est vrai? Eh ben, qui a vu Albert, c'est vrai que j'ai vu Alexandre. Ça sent le Bosch. Le soldat qui faisait sa toilette jette un coup d'œil dans la glace, il me voit. Et elle referme la fenêtre. Je me retrouve à 6 mètres de hauteur, pieds nus. Dans le vide, j'entends déjà le pas des Allemands qui montent dans l'escalier. Offen die Türe! Ouvrez la porte! Des Allemands? Ils se rapprochent! Impossible de partir par là! Allez! Vite! Moi, Léonie Van Hout, fille de la fin du 19e siècle, je ne pouvais pas passer le baccalauréat. Je n'avais pas le droit de vote. Pas le droit de vote. Arrivé à la frontière, nous sommes tous fouillés. Les femmes le sont systématiquement par la grenouille. C'est une femme aussi méchante que vilaine. Quand un soldat allemand sort de ma valise l'harmonica, truffée de documents. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les lignes du mariage. Mais quand elle... Il sait que vous cherchez à passer la frontière avec Mademoiselle Alice. Non, mais je connais pas de Mademoiselle Alice, je viens de vous le dire, mais moi je veux passer la frontière, moi, toute seule, je veux passer la frontière toute seule. Oh, une jeune fille toute seule, ça est bien étonnant. Et pourquoi donc? Mademoiselle! Mais qu'est-ce que vous racontez de si drôle? Vous ne pouvez pas vous mêler de ce qui vous regarde. Venez, Marguerite. Halt! Arthur! Contrôle! Allez, Albert, vite. Bah, qu'est-ce que c'est encore, mademoiselle, vite. Vous partez tout de suite en Hollande. En Hollande, allez, hein! Oh, mais non. Oh, non. J'en reviens juste il y a 22 heures. Non. Je suis Nelly Roussel, féministe. Pacifiste, la guerre est une déviation absurde, œuvre d'une fausse civilisation. Je refuse de haïr ce qu'on m'ordonne de haïr. Nous sommes toutes les deux transférées à la prison de Wittenbourg. Il y a là de nombreuses prisonnières belges. L'Allemagne n'a pas le droit de nous imposer ce travail de mort. Cela me donnera un témoignage incontestable de l'engagement d'Alice. Signé l'émission. Mais soignable. Mais comment peuvent-ils douter de vous? Je suis une femme, Léonie. Et c'est très bien ainsi.
Bonjour, monsieur. Monsieur Lamotte. Excusez-moi, je suis très fatiguée. Je voulais vous demander si je pouvais me joindre à vous. Je vois que vous êtes au complet. Bah, ça ne fait rien, mademoiselle, on s'en tassera. Derrière les stores baissés, on entendait des baisers. Sur le toit, attends, on s'en aille. Oui. Eh bien, ce matin, les Allemands, ils ont remis toutes les chaussures devant chaque porte de chambre sans se tromper, hein. Regardez. Ah, vous déjà tamponné votre sauf-conduit. Halte! Il y a des mines! Revenez! Monsieur, alors qu'il y a tête! Il lui laisse chanter la Brabançonne. Il faudra qu'il la tue pour la faire taire. Ah non, mais elle doit être à l'étage supérieur. Non, mais ce serait plus facile si on était plus près de la colonne montante. Ah! Ce serait plus simple si on était dans la cellule d'à côté! Elle est vide. Mais non, 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 hier ils ont mis une jeune fille quand ils m'ont ramenée. Ben si vous la connaissez, vous avez connu. Non, je la connais pas, c'est une Française. Le gardien m'a dit que c'était une nouvelle. Elle a été transférée d'Anvers. Non, c'est moi. Léonie. Léonie, c'est moi. Léonie. Et c'est bien moi. Et là, je sais pas quoi faire. Et ce petit papier, vous le connaissez? C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Pardon, je n'ai pas dit que c'était une amie que vous aimiez. C'est une amie que la police allemande vous a envoyée pour vous tenir compagnie. Mais si vous les aviez laissés chez eux! Ça serait pas arrivé. Une dernière faveur? Vous pouvez nous laisser 5 minutes. En tête à tête, Léonie et moi, pour nous dire au revoir. Quelque chose à dire pour votre défense. J'accepte ma condamnation. Fusillez-moi. Vous voulez dire quelque chose à votre maman ?